Coucou tout le monde. Une petite vidéo produits terminés. Donc je précise que ce sont des produits terminés. Il n'y a pas de produits alimentaires. C'est que des produits pratiquement, c'est toujours les mêmes. C'est gel douche, déo, etc., etc. C'est parti mon kiki. En avant Guingamp, comme dirait l'autre. Alors, on va faire comme ça vient. Un gel douche Nivea Men, donc pour les hommes, bravo. Acheté probablement chez Action à pas cher, comme dirait Amy, à pas cher. Très bien, ça sent l'homme, voilà. Rien à redire, j'en reprendrai ou un autre, ou voilà, mais très bien. Un gel douche gommant exfoliant énergisant, mangue coriandre. Coriandre de chez Yves Rocher. Alors je sais plus si je l'avais acheté celui-là ou si je l'avais offert. Des fois je mélange un peu tout. Voilà, c'est très bien, comme tous les produits Yves Rocher. Est-ce que je le reprendrai? Non, pas forcément, parce que j'aime bien en tester d'autres, comme je le dis souvent. Mais voilà. Au niveau de l'exfoliation, voilà, c'était normal. Rien de transcendant, mais rien non plus de négatif. Donc voilà. Un déodorant Sienne. Il y en a plusieurs couleurs. Il y a le vert, le bleu, le rouge. J'ai tous testé. Non, je ne sais plus lequel j'en ai testé deux. J'en ai un autre à tester. Bref, le rose est très bien. Voilà. Donc moi, les déodorants, je le redis à chaque vidéo, mais le produit terminé, j'utilise jamais deux fois le même. Enfin, dans la semaine, j'alterne entre plusieurs déodorants et du coup, c'est toujours efficace. Voilà, je trouve. Mais le défaut de celui-là, je le reprendrai quand même, c'est quand on en met, c'est l'odeur, elle est vachement puissante sur le coup, et ça c'est gênant, mais voilà, mais je l'adore quand même, il est pas cher, il est, voilà, il est sympa. Donc oui, je le reprendrai. Ah bah, voilà l'autre. En fait, ça va être le vert, j'ai à tester. Là, c'est le bleu. Voilà. C'était à quoi, ça? C'est sans alcool. J'aime pas à quoi c'est. Ouais. Pareil que le rose, très très bien. Donc j'en rachèterai, oui, sans hésiter. Pareil, entre guillemets, le problème de l'odeur, c'est pas vraiment mon problème, mais enfin, qui est forte dans le nez au départ. Mais très bien. C'est du pas cher, hein, c'est du Sienne et c'est très efficace. J'avais une de mes abonnées mystère qui m'avait envoyé un colis. Dans ce colis, il y avait le gel douche. Comme une évidence, Yves Rocher. Donc comme le parfum, vous savez, très très bien ce gel douche. C'est pas parce qu'on me l'a offert que je le dis. Il sentait super bon, il était très très bien. Et de toute façon, les produits Yves Rocher en général, on n'est pas déçus. Là, je suis en train de je teste le même. Enfin, je suis sur le même qu'on m'avait offert aussi en anniversaire. C'est au thé vert. C'est le même packaging, enfin, sauf qu'il est vert. Voilà, très bien celui-là comme une évidence. Si j'ai, oui, si je pouvais en avoir d'autres, j'en aurais d'autres. Mais j'ai encore plein de gel douche chez moi, donc. Un gel douche donc Adidas Guarana, vu ce qu'il reste, je crois qu'il était orange Victoria League pour David et Alexis. Très bien, ça sent l'homme, c'est efficace, c'est pas trop cher, c'est Action, c'est génial. Oui, j'en reprendrai. Yves Rocher, lotion tonique hydratante, hydra végétal. Il en reste un petit peu, bon, un tout petit peu. Super bien, c'est frais, c'est super agréable. L'odeur est, j'aime bien. Voilà. Moi, je m'en mets le matin et le soir. J'adore ça. J'adore la lotion tonique. Je suis une fan. Là, j'en ai une autre. C'est à peu près la même, mais c'est la bouteille plus claire. Elle est encore mieux, je trouve, au niveau de l'odeur. Je ne sais pas si on voit rien, mais bon. Donc, oui, j'en reprendrai. Mais de l'autre, je pense. Ça, je l'ai mis dans les produits terminés, mais... Listerine. Ça, j'avais dû l'acheter en pharmacie, je pense. Quoi qu'ils le vendent aussi en grande surface, mais une grande surface normale, pas Action, tout ça. Protection dents et gencives, très bien. Bain de bouche quotidien, j'en achète régulièrement. Mon chouchou de tous les temps concernant les premiers nettoyants pour toilettes, le Rio de chez Action qui coûte 3 fois rien, à l'eucalyptus au javel épaissi, il est top, il est génial. J'en ai encore un et l'autre fois il n'y en avait pas, donc j'ai acheté un Arpic mais je ne l'ai pas encore testé. J'adore. Une tuerie.
parfum que j'avais acheté chez Action aussi, même si j'avais dit que je rachèterais plus de parfum, mais je crois que je l'avais acheté avant que je le dise. C'était de chez Revlon, le Charlie White. Donc c'était un 100 ml. Je l'avais payé 5 euros, je crois 4,99 ou 3,99, je ne sais plus. Il en a encore un peu. Super bon. Il sentait super bon, le Charlie White. Comme la plupart des parfums Action, ça ne tient pas. Mais j'en foutais partout sur le foulard, sur le vêtement, sur moi. Enfin, à ce prix-là, je pchite à mort, quoi. Je serais susceptible d'en racheter, mais j'en rachèterai pas parce que ça tient pas. Mais voilà. Ça sentait super bon. Ouais. J'ai fini le fameux. La fameuse eau de toilette Yves Rocher Maracuja, le Maracuja. Voilà. Super design. Ça sentait très très bon. C'était un peu original comme odeur. Par contre, ça tient pas. Donc là, un peu déçu. Parce que ça tenait pas. En tout cas, sinon, ça tient pas. Donc pareil. Donc là, c'était quand même un peu plus cher que du Action. Hein. Et je vaporisais pareil sur mes fringues, sur moi. Enfin, pour que ça sente un peu, mais ça tient pas. Donc un peu déçu. En tout cas, j'avais l'impression que ça tenait pas et personne n'a jamais dit « Ah, tu sens bon !» Pourtant, j'en mettais 10 tonnes. Ou alors ça a plu, mais personne n'a jamais osé le dire. Un gommage Hydra Végétal Yves Rocher, gommage visage. Voilà. Voilà, très bien, rien à dire. Je reprendrai à l'occasion, oui. J'aime bien leur gamme Hydra Végétal. Hop, poubelle. Ça, est-ce que c'était bien? Oui, c'était pas mal ça. Un fa crème de douche fa aloe vera hydratante, 550 ml. Je crois que je l'avais acheté chez Action aussi. Ou Astocomani, je sais plus. Bref. Très bien. Ça sentait super bon. Ouais, ça sentait vraiment très très bon. Et voilà, ça faisait son office de gel douche. Voilà. 550 ml, c'est un peu grand parce que moi j'aime bien changer. J'en ai d'autres en attente, mais non, c'était bien. Je crois qu'on l'a utilisé à 3 d'ailleurs à la fin. On a mis un temps à le finir, surtout que moi j'alterne, mais très bien. Voilà. J'avais eu un dentifrice que j'ai gagné chez Envie de Plus, là. Oral B+. Très bien. Et c'était un petit contenant, là, c'était un échantillon. Il avait bon goût, c'était très agréable. David et Alexis l'ont goûté aussi. On a bien aimé. Donc oui, pourquoi pas en racheter à l'occasion. C'était 15 ml, ouais. Pro Expert, nanana. Très bien. Alexis a fini un Théraxine Junior dentifrice plus bain de bouche, 2 en 1. Voilà, il en avait marre à la fin parce que il est vide, hein. C'est juste le. Il en avait marre. Là, il utilise un autre, un Colgate, qui est pas mal, Junior aussi. Voilà. Mais celui-là est très bien, on l'a utilisé pendant des années, celui-là. Enfin, pas celui-là proprement, mais cette marque-là. Shampoing, alors je sais plus où je l'ai acheté celui-là, peut-être à Action aussi. Knep shampoing camomille soft brillance normal air. Il était très très bien. Il avait une odeur un peu particulière que j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Ça me fait penser un peu, c'est bizarre à dire ça, mais à du cirage. Enfin, je sais pas trop. Mais il était super bien. La marque Knep, vraiment très très bien. Il rendait les cheveux hyper doux, hyper lisse, hyper fluide, hyper hyper bien. Franchement. L'odeur était pas gênante. L'odeur m'a plu, mais c'était un peu particulier. Donc au départ, j'étais un peu décontenancée. Je reprendrai cette marque à l'occasion. Ça, je crois que c'était Marine qui me l'avait offert dans un swap. Je crois que c'est bien le Primark. C'est des disques comment on dit, merde. Pour les ongles. Hein. Ah, je trouve plus le mot. Des disques. Pas démaquillant, mais... disque dissolvant pour les ongles. Je crois que ça vient de Primark, donc. Il était super bien. Ça m'a duré un bon bout de temps. Et en fait, il restait bien tous unités de produits. Donc, ouais, c'était vraiment bien. Puis le format, c'était sympa. Et puis les petits disques et tout, j'ai adoré. Donc, ouais, très très bien. Je crois que c'était Marine. Oui, c'est ça. Ben voilà, en ce moment, celui-là, c'est le 05 en mai.
le Colgate. Donc ça, c'est du 0,5 ans que j'avais. Donc on l'a utilisé. Maintenant, il prend le 6... au-dessus, quoi. 6-8 ans, je sais pas trop quoi. Bref, Colgate, il aime bien parce que l'odeur de la menthe... Il était pas trop menthe, Alexis. Puis c'est pour ça que je prenais le Teraxil. Et puis cette menthe-là, elle est douce, donc ça lui convient. Voilà, il est très très bien. J'en prends. Il est souvent chez Action, donc j'en prends souvent. Mais la gamme au-dessus. À la gamme. Le bain-douche de Yves Rocher Maracura, là, comme le parfum. C'était super agréable, ça sentait la même odeur. Hein, donc c'était bon, l'édition de cette année. Voilà. Donc voilà, c'était sympa. Avec moi qui l'utilise. Ça, c'est un produit Caudalie que j'avais... Quand j'avais fait une commande Caudalie, c'est pas quand mon abonné Mystère m'a offert des produits Caudalie, c'est quand j'avais fait une commande moi-même, je crois que j'avais eu ça en cadeau, je me semble. Pino Perfect Sérum Éclat Anti-Tache. Donc de la marque Caudalie, il y avait 15 ml. Je sais plus si je l'avais acheté ou si je l'avais eu en cadeau, bref. Bof, nul, enfin je m'en fous en fait. Sérum Anti-Tache, je pense pas que je l'ai acheté parce que j'ai pas de tache. Pistache. Ça sentait pas terrible. Et autant qu'Odali, il y a des trucs qui sentent, ça sent trop bon. C'est ultra efficace, c'est top, top, top. Autant les trucs que je trouve nuls, quoi. Ça, ça en fait partie, les trucs nuls. À mon avis, hein. Attention. Je suis pas une experte de Caudalie. Donc voilà, donc je ne reprendrai pas parce que ça ne me sert à rien et ça sent pas bon. J'ai fini un gel antibactérien. Merci Andy. Je sais pas quoi c'était. Oh My Lemon. Ça sentait super bon. Je sais pas si vous vous souvenez, un jour j'avais passé une commande, on avait acheté plein parce qu'il y a des promos et tout. Moi je suis une fan des gels antibactériens, je dois être un peu psychopathe sur les bords. Et voilà. Donc j'en ai encore plein d'autres, je vous en ai déjà montré. Enfin bref. Donc oui, c'est top, top, top. J'avais testé ça, un petit échantillon de Yves Rocher Elixir Jeunesse. Ça se voit, non? Soin de nuit, Nike, réparation, anti-pollution. Je sais. Bon, évidemment, au niveau de l'effet, sur un truc comme ça, on peut pas savoir, mais ça sentait super bon, je crois. Voilà, j'en ai plein des échantillons Yves Rocher et il faut que je prenne le temps de les utiliser. Voilà. Hop. C'est fini pour cette vidéo, produit terminé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vais aller mettre tout ça dans la poubelle dédiée à cet effet dehors. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Je m'habitue pas à cet appareil. Enfin si, je m'habitue, mais... Avant j'avais le bouton derrière, maintenant le bouton devant.